بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله الفجر بن سكين إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toujours concernant l'explication de nos livres Kitab al-Wudu, le chapitre concernant permissibilité, fait masal le kouf et le sucet. Et là, Inch'Allah, nous pourrons prendre concernant les autres masalas qui restent. Premièrement, est-ce qu'un jimoun, avant il a fait wudu ou bien avant ce wudu cassé, les gars ont droit de mettre ce kouf avec l'intention pour qu'il n'y ait pas Allah ou celui qui n'y peut le faire ce wudu. Connais frère ce qui est iman, quand on retourne vers le hadith de Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun empêchement concernant sa petite chose. Et quand on retourne vers l'action de Sahaba radiallahu anhum, nous trouvons qu'il n'y a pas de faire sa petite chose. Rapporté par le Hassan al-Basri, rahimahullah wa ta'ala, l'Ijia. Comme on convient de Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux aller uriner. Tu peux finir mes autres croufs avant ça, afin qu'ils se fassent ma salouda. Donc, ça, les montants de frère Sakinaïman, permissibilité, faire ça, quelque chose. Mais j'ai un jimon, il connaît qui se boudou pour le casser et peina ce set de celui pied, ou bien peina croufs de celui pied. Alors, il met ce set, ou bien il met ce croufs avec l'intention pour qu'il t'allait, il peina couler à celui pied, mais j'ai un lit faire ma salouda. Alors, ça, c'est permis, c'est une permissibilité de ça, quelque chose. Retourne devant le Sahaba radiallahu anhum. Alors, n'importe qui s'en a envie de faire une action pareille, les gagne droit d'un dîner Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, est-ce qu'un jimoun obligé quand il finit de mettre ce set ou bien se couvre de ce lipier, il est dans un état de tohara, il est obligé et n'a l'intention pour faire masal ou là ou bien. Cheikh Othaymin rahimahullah ta'ala lui dit, quand un jimoun peut mettre ce couvre, il n'est pas une condition qu'il est bizarre fini faire l'intention pour qu'il y fasse ce masalou là. Il y a des peines conditions à faire ce qu'il y a. Il y a un jimoun, il finit faire wazou, ensuite il finit mettre ce kouf ou bien il finit mettre ce set sans qu'il n'a l'intention pour faire masalou là et qu'arrive le moment pour faire massa, même il n'a pas fini, il n'a l'intention pour faire masalou ce set quand il finit mettre lui, il gagne droit faire, il gagne droit faire lui parce que ça c'est une petite chose qui, ça c'est une petite chose qui gagne droit, puis n'a aucun problème là. Comme ça encore frère ce qu'il y a. Concernant ce set ou bien kouf, est-ce qu'il y a une condition qui nous gagne droit faire massa le couf ou bien le sucette? Est-ce qu'ils ont besoin de couvrir la cheville ou bien? Connais frère Sekina Iman, il a deux opinions là. Premièrement, c'est qu'il obligatoirement besoin de couvrir la cheville. Cheikh Bin Bad Rahimahullah Ta'ala l'a dit, il est permissible de faire massa le sucette si ce sucette là peut couvrir ce délipier et ce cheville. Cheikh Bin Bad Rahimahullah Ta'ala l'a dit, il fait massa le sucette si il finit couvrir place qui est besoin de laver. Alors, ça c'est première opinion. Qui obligatoirement ce set là il besoin là aux chevilles, il besoin couvrir les chevilles là ou bien il besoin couvrir une place qui supposait laver de boudou afin qu'il nous gagne droit faire massal au set ou bien faire massal au kouf. Déjà l'opinion frère Sakina Iman, c'est l'opinion de certains ulama comme Ibn Hazm rahimahullah ta'ala li dit si kouf li coupé en bas cheville li permissible pour faire massal au là. Comme ça même Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala li dit pour faire massal au kouf, un groupe de Fouqaha il met des conditions. Un là-dedans, c'est les bisins couverts, place qui fera ou la pour la vie. Mais les fins viennent clair que sa condition là est faible. Les fins clair que sa condition est faible parce qu'il peine n'a aucune place de hadith de Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça, M. Kouthaïm, rahimahullah ta'ala, il dit couvert, c'est qu'il est obligé de laver de wudu. Ça n'est pas une condition aussi longtemps qu'il nous toujours appelle les croufs. Et je veux dire, déjà, l'opinion de base, s'il peut appeler ça, déjà, qu'il se fasse ce site. Ou bien, il peut appeler les croufs dans façon qu'il ne peut appeler lui. Alors, s'il peut appeler lui pour ça, non, là, alors, il est permissible pour faire ma salle là, même s'il n'est pas couvert cheville, même s'il est en bas cheville. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît meilleur, parce qu'il y a toutes les opinions pareilles qui sont faux. Et comme ça, encore, frère, ce qu'il y a, il y a certains jimoun, finir qui n'a pas gagné droit faire massa le croufe ou bien le sucette si il y a trou là-dedans. Pas gagné droit faire massa le sucette ou bien le croufe si il y a trou là-dedans. Connais frère ce qu'il y a, Iman. Sa petite chose là, il est assez faible. Rapporté par Soufiane Athor, Rahimahullah, ou Ta'ala, il dit fait massa le là tant qu'il y a de l'épier. Est-ce qu'il croufe de ban Mujahir et ban Ansar, pas t'y pièce, pas t'y trouver et pas t'y rapier, c'est même. Dès qu'on retourne vers ban Sahaba, radiallahu anhu, frère ce qu'il y a, Iman. Ce sucette ou bien ce croufe, définitivement, tu bises un trou, tu bises un PSC. Parce qu'il fait, parce que plusieurs bandes Sahaba, c'était bandes qui misaient. Alors, vous êtes dans ce cas-là, vous n'avez aucun problème. Si, au coup, il appelle les croufs, ou bien au coup, il appelle les sucettes, tant qu'il y a certaines bandes trous là-dedans, il n'y a aucun problème là-dedans. Ibn Mundir, Rahimahullah, Ta'ala, il dit, tu sais qui le nom de croufs applique l'eau là, gagne droit à faire ma salle là,
basons le ce qui est apparent, et puis hadith de Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit le mot kouf, il englobe ce qui est PSC et ce qui n'est pas PSC, surtout qui prend un sahaba, tu n'as beaucoup de pauvres, et maintenant tu peux voyager. Si cette situation est comme ça, bizarre qui dans certaines autres croufs, tu n'as pas trop, pas voyager, il est possible qui un parmi maintenant cette croufs, tu n'as trop, et il n'est pas fin capable de couper pendant qu'il est dans voyage. Alors, si pas tu gagnes droit, fais-moi ça là. L'objectif de la facilité, c'est faire ça au lieu de laver les pieds, pas tu peux être, pas tu peux être atteint. Et comme ça, mes frères, ce qui n'est pas cher pour Thaïm, rahimahullah, ou ta'ala, il dit, ce qui est cher pour l'islam, il t'aime, rahimahullah, ou ta'ala, fin choisir, c'est ça même l'opinion qui est plus faux, parce qu'ordinairement, ban croufs, vous n'êtes pas échappé, depuis ban trou. Alors, comme ça même, même si un djimoun se succède et n'a trop là-dedans, alors il est permissible pour qui ça djimoun là, il fait ma salo là. Nous tenons pour la Inch'Allah, demain nous continuons avec les autres explications. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.